Et salut tout le monde, c'est Rotalis, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pixelmon. Ouais, Pixelmon. Ah, cette fois-ci, je suis pas gouré. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle recette que je me suis permis de tester. Donc, pour ça, il va nous falloir... Hop là, de l'or. Il va nous falloir... du sucre et une pomme. Hop là. Alors, les amis, je présume que vous connaissez la recette des pépites d'or. Je présume que vous connaissez aussi les recettes pour crafter les golden apples. Normal, hein, toute conne. Enfin, les pommes dorées, pardon, en l'occurrence, en français. Ensuite, vous mettez de la poussière de lime. Non. Ensuite, vous faites du sucre. C'est très important, le sucre, parce que c'est super bon. Voilà, et que le but, c'est de faire un super bonbon. Donc, super bonbon sans sucre, c'est dur. Vous mettez de la poussière de luminite et pouf! C'est fou toutes les conneries qu'on donne à bouffer à nos Pokémon. Alors, maintenant, maintenant qu'on a fait ça, on va récupérer des Pokéballs. Pokéballs que j'ai placés dans un coffre très spécial. Je me suis amusé à faire différents trucs. Je sais pas du tout à quoi correspond quoi. J'ai juste tenté des recettes un peu à la con. Et donc là, les amis, ça va être le moment de partir à la conquête du monde. Alors. Premier... Ouah! Lâche-moi! 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 Espèce de psychopathe misanthrope! Ah! Casse-toi, espèce de moche! Ah, il s'est barré. Bon, voilà. Donc, les amis, on va capturer un Pokémon. Je veux un joli Pokémon. Tout mignon, donc on va partir un petit peu se balader, on va voir ce qui nous tombe sur la main. Hop, non, vous êtes moche, toi t'es immonde. Toi t'es un dresseur, t'es quel level? À la limite, peut-être que ça pourrait nous occuper. Level 4, non, on va pas te descendre, parce que ce serait tirer une balle dans le pied d'un handicapé. Level 10, oh la luminite. Alors qu'est-ce que t'as des. Qu'est-ce que t'as des. Ah ouais? Ah t'es comme ça? Ok, ok. Bon là il nous a agressé, le problème c'est que puisqu'on ne l'a pas en visu, on peut pas vraiment voir ce qu'on tape. Ok. C'est pas grave, on va lui démonter la gueule, on va lui labourer la tronche, ça lui apprendra un petit peu le respect à ce crétin. Ah ouais? Ah genre toi tu me paralyses? Non, je vais dire on va le capturer mais on a déjà un putain d'arbok qui nous sert à rien. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Ah t'es comme ça toi. Bah... Ah voilà, faut taper ta queue. Non, faut taper quoi? Je m'en fous, allez, je tape ta tête. Hein? Hein? Ah tu la sens là, hein? Tu la sens là la violence, hein? Saloperie va. Bon bah donc petit bon à la limite les amis. Ce qu'on va faire c'est une petite ellipse et je vais me balader jusqu'à tomber sur un Pokémon qui me semble sympa. Allez, à de suite. Ah re les amis, alors. Ça, c'est un Pokémon qui m'intéresse. Donc, voilà. Alors, on va surtout pas attaquer, on va juste balancer des balls. On va utiliser une Pokéball, ça suffira largement. Hop là, et normalement, il va être capturé. Dites-moi qu'il est capturé, j'ai la flemme de me battre. Enfin, j'ai la flemme d'utiliser une Super Ball surtout, en fait. Bon, ça va pas planter, c'est normal. Voilà, you captured, Vulpix. Toi tu rentres dans ta ball, j'ai dit. Voilà. Voilà, bon voilà, donc déjà nous avons un premier Pokémon. Un Pokémon de type feu, ça c'est plutôt sympa. On a eu du bol en plus, il était affaibli quand on est tombé dessus. Je vous jure que j'ai pas tabassé, hein, c'est. Je suis arrivé, bah en fait j'ai arrêté l'enregistrement, j'allais me soigner, je suis ressorti, j'ai vu. Ok. Vous voyez la maison est juste là quoi. What pardon, c'est de la merde. Oui, il y a eu un petit moment de pause les amis. Hein. Voyons, quel Pokémon. Si, il y a un Pokémon sur lequel je veux tomber, mais je sais pas du tout quel level il est. En fait, au final, donc j'ai regardé, il existe deux wikis sur Pixelmon. Donc un wiki qui a été fait par des fans et qui n'est pas à jour. Et c'était sur celui-ci que j'étais tombé la première fois. Et un autre qui lui est à jour, qui est par les créateurs de Pixelmon. Par contre, qui indique absolument pas toutes les recettes, par exemple pour les balls, bah c'est vraiment, mais réellement, démerdez-vous, faites vos propres mix et puis vous verrez sur quoi vous tombez à la fin. Pour le moment, j'ai pas encore cherché la hyperball, mais logiquement censé être à partir de deux noix à gueule noire.
Enfin, je vous montrerai ça une autre fois. Toi, t'es en train de te prendre des dégâts sans aucune raison. Monsieur, tu veux de l'aide? Non, t'as l'air de bien démerder tout seul. Alors, si je le gourre pas, si on appuie sur certains boutons. Nope. 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 Voilà. Donc on peut choisir quel Pokémon on veut envoyer au combat. Voilà, c'est tout. Tiens, par contre, je me rends compte que c'est une... Qu'est-ce que c'est que ça? Un Ponyta. Oh, Pikachu! Un Pikachu! Pikachu, bouge pas! T'inquiète pas! Je veux que ton plus grand bien. Raté. Pikachu. Ah! Et je me prépare à balancer mon Pokémon. Voilà, je l'ai eu! Alors, tu rages, hein, tu ne peux plus fuir. Alors, par contre, toi, t'as pris cher quand même. Hein. Allez, mais c'est pas grave, on va la voir. Hein? Mais Quick Attack, je suis pas censé attaquer en premier. Bon, bah, tant qu'à faire, en Flamèche, hein. M'emmerdez pas. Enfin, si tu meurs pas. Growl, donc baisse l'attaque. Voilà. C'est rugissement. Humber, voilà. Et donc là, typiquement. Pokéball. Voilà, j'ai un Pikachu. Donc il me faudra une deuxième pierre foudre. Enfin, de toute façon, non. Tout simplement, Pikachu, par contre, je vais pas le garder dans la team. Vous en doutez. Mais c'est juste pour le fait, maintenant, je vais pouvoir dire j'ai un Pikachu. Vous pouvez plus rien faire. Voilà, c'est tout. Allez, tu vois que c'est bon. Yeah, j'ai un Pikachu. Parfait, donc toi tu reviens dans ta ball. Voilà, et on progresse. Alors, moi ce que je voudrais c'est avant tout un Pokémon de type sol. Hop là. On prend des Pokéballs en main, c'est mieux. Alors, Topicœur, nope. Non, parce que Topicœur, voilà quoi, c'est un peu de la merde. Par contre, Chamallow. Non, t'es moche. Ah, comme je vous l'ai dit, moi je capture pas les moches. Hein. Et si j'essaie de choper un Magikarp, tiens. On va tenter le Magikarp. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des pois sirènes. Oh, c'est tellement choupinou un pois sirène. Plop, 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 plop. Un craquenois. Ah, mais ça évolue bien en plus, ça. Allez, craquenois. Donc on va capturer le craquenois, hein. Bon, pour le moment, il est moche, mais bon, ses évolutions sont nettement plus gracieux. À pas confondre avec Graisseux. Toi, par contre, t'es quel level? Parce que j'ai pas envie d'engager le combat. Pouah! J'ai même pas besoin d'un combat, tu sais quoi? Vu son level, si ça peut attraper. Bah, logiquement, c'est bon, ça bouge plus, là. Voilà! Donc, on a un... Craquenois, les amis. Bon, bah, on commence à avoir déjà une petite team assez sympa. Alors j'ai pas encore mis le troisième épisode en ligne, hein, les amis, à l'heure où je vous parle. Hop là, tout simplement parce que je me suis dit que valait mieux que... Non, en fait, non, c'est juste que j'ai enregistré le dernier épisode hier soir, en fait. Et que là, il est aujourd'hui 14h, 14h30. Donc je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, j'ai un petit peu avancé. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? C'est un soporifique? Soporifique! Oui, c'est un soporifique. Pardon, et en plus, je suis malade. Toujours. Bon, ça, c'est... Un Drowsy. Quoi? Genre, tu m'attaques? Mais genre, t'es pas bien dans ta tête. Mais genre, tu te sens bien là, monsieur? Bah oui, évidemment, mais je suis plus rapide que toi. Ah, confusion, c'est choc mental. Hein. Non, bah écoutez, on va baisser sa précision. Pas grave si notre cher Voltali prend cher. Voilà. En tous les cas, il va pouvoir survivre encore une attaque. Hein. Sauf si coup critique, mais bon, je sais pas s'il y a un système de coup critique qui a été mis en place. Ah ouais. Ah ouais. Ah t'es comme ça, toi. Bon, on va envoyer notre Pikachu. Pikachu qui va faire... Putain, Thundershock. Thundershock, je sais pas ce que c'est. Ça peut paraître con, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, t'as pris cher. Ouais, bah évidemment, t'as plus de précision, crétinas. Thunder Wave, donc ça c'est pour le paralyser. Donc on va le paralyser. Voilà, il est paralysé. Par contre,
Ouais, il peut. Ah putain, il n'y a plus de précision, il peut plus attaquer. Puis c'est génial ça. Puis maintenant, on va lui faire des Thunder Shock. Voilà, parfait. Critical hit. Putain, ça se voit même pas que c'est un critical hit. Voilà. On va l'enchaîner, les amis. Et on le capturera. Simplement parce qu'il a osé nous attaquer. Ça lui prendra le respect. Et qu'il a aussi foutu mon Voltaïque KO. Et que rien que pour ça, il mérite la mort. Enfin, être capturé. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est limite calculé, vous savez quoi? On va envoyer Crack Noir. Hop. Quoi, il voulait m'enchaîner là, espèce d'enfoiré? Allez, laisse-toi choper. Le combat se passe derrière moi, mais je peux pas le bouger. Hein? Non, je peux absolument pas bouger. Donc je sais même pas s'il est capturé, je sais rien du tout. Là. On voit rien. C'est tout. Donc. D'accord, j'ai capturé. Quoi? Mais il est mort comment? Il s'est fait tuer par quoi? Allô? Putain de jeu qui bug quoi. Alors, donc sachez évidemment qu'en off j'ai farmé un petit peu les pommes. Je vous montrerai ça un jour. Comment je. La technique ultime pour farmer des pommes. By Hypierre, hein, parce que moi j'ai piqué d'Hypierre évidemment. Hypierre est quand même la référence française pour tout ce qui est trucs et astuces. Hein, Bon, et aussi un peu pour la redstone, mais bon, la redstone, on s'en fout tous un peu. Hein, voilà, on peut le dire. Enfin, en même temps, quelqu'un qui est pas capable de faire soi-même ses propres circuits de redstone, c'est qu'il a un problème. Non, 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 mais regarde pas comme ça, toi. Laissez-moi fuir. Alors. Voilà. Donc ça, c'était mes farms à pommes. C'est cool, hein. Donc les amis, petite ellipse, temps de soigner mes Pokémon. Alors pourquoi je fais des ellipses? Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a rien à voir là. Je vais rentrer chez moi, soigner mes Pokémon et ressortir. Donc à de suite. Re, pardon, excusez-moi. Je déteste ce petit bouton. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc le bouton pour pouvoir switcher le Pokémon qu'on va envoyer en premier, c'est le bouton pour mettre les accents circonflexes hein, et le tréma. Bon, alors maintenant qu'on s'est retrouvé, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va essayer de continuer à chercher des Pokémon. J'ai évidemment déposé dans le PC le soporifique parce que j'en veux pas dans ma team. De même, le Pikachu va dégager, j'ai juste oublié de le foutre. C'est tout. T'es quoi toi? Pff, un pigeon. Non, aucune utilité de le capturer, je vais même l'ignorer, vous savez quoi les amis? Hop là. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Oui, pourquoi je m'arrête, je sais pas. Plop 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 plop, il y a plein de dresseurs. Si je trouve des dresseurs à peu près level 8, j'attaque hein. Ah bah. Mais écoute monsieur, mais tu tombes bien. Alors. Ah, il a envoyé un piaf avec. Non les amis, ça c'est l'attaque morsure. Je vous ai tout de suite vu venir arriver. Non, taisez-vous, c'est Ah bah on l'a one shot. Ok, et en plus on a même level up. Donc écoutez, lui aussi on va le morsurer. Non, j'avais dit le biter, mais non. Des fois faut savoir se retenir, les amis. Hein. Hop, et attendez. Par contre, je rêve ou son Pokémon est plus rapide que le mien? Je veux bien que ce soit pas. Je veux bien que ce soit pas un Pokémon forcément très rapide, mais quand même. Oh putain! Non mais genre non. Genre il fait ça lui. Merde, mais moi j'ai rien à côté. Et t'as pas intérêt à flincher, t'as à rattrapinch, hein. Enfin flincher, oui, si, c'est flin. Non. Fainted, pardon. Don't fainted. Voilà, bien. Et toi tu passes level 11. Putain, t'as monté 2 levels. Mankey, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, ça on va switcher par contre. On va mettre Tiens, notre Voltali. Covette. Toi-même, Covette. Tiens, prends-toi un tackle dans la gueule. Ça t'apprendra le respect un peu. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, toi, tu reviens de ta boule, hein, tu fais pas chier. Voilà. Attendez, bougez pas. Voilà. On peut faire sortir toute notre équipe et être poursuivi par la totalité de notre team. Ça par contre je ne savais pas, mais ça peut être fun.
Hop là. Alors. Moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est aller vers les biomes océans, tout simplement parce que un Pokémon. Putain, il y a un Arbok. Bah si, forcément les amis, hein, vous pouvez pas dire que vous attendiez pas à ce que je le fasse. Hein. Dracolos, arrête de bouger. Dracolos. Logiquement, il est au moins level 55 le machin quoi. Level 57. À moi. Merde. À moi. Voilà, elle est où la pop-ball? Aglou, aglou. Ah, elle est là-bas. Non. Ah, ah bah il n'a pas été capturé. C'est étrange. C'est étonnant surtout. Non, par contre, je vais pas mourir là, merci. Voilà. Bon, je vais pas t'agresser, tout simplement parce que je risquerais de prendre cher. Mais sache que tu fais partie de mes projets, monsieur, hein. Ouais, voilà. Alors, voyons ça. Ah, là-bas, il y a Astari. J'aimerais bien Astari. De toute façon, il me faut un Pokémon. Oh, là, c'est pour ça que je suis venu faire mes courses par ici. Mais il n'y a pas le Pokémon qui m'intéresse. Ah, en fait... chose dont je vous ai pas parlé, j'ai vu que dans un des commentaires que quelqu'un m'avait dit, ouais, installe Optifine si tu lags. Les amis, je ne peux pas. Ce mode est incompatible avec Optifine. Mais simplement incompatible. Là, c'est-à-dire on peut pas. Il y a même rien à faire pour le changer. Donc malheureusement, je peux rien faire. Je ne pourrai jamais installer Optifine avec Pixelmon. Ou en tout cas pas avec cette version de Pixelmon. Donc voilà, donc après, voilà, si ça vous plaît pas, envoyez un mail au créateur du mod, dites-leur Manta, il a besoin de tourner sa série. Je déconne, hein. Merci, j'ai pas envie de... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces blocs là? Ah, c'est pour faire des pierres hauts. Oh, c'est de la merde. Non, mais j'en veux pas, moi, des pierres hauts. Enfin, ça dépend quel Pokémon j'ai capturé, mais logiquement, je vais pas en avoir besoin. Enfin, voilà. On est d'accord. Bon. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a par là? Plop, 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 plop. Des Ramolos, encore. Encore un dresseur. Tiens, Mimitos, ce serait pas sympa de capturer Mimitos. J'ai jamais eu de Mimitos. Dans toutes les versions de Pokémon que j'ai eu, hein, j'ai jamais eu de Mimitos. C'est quel level? Level 14 en plus. Ouais, il serait au bon level, hein. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux rejoindre ma team? Il me tourne le dos. Ça veut dire qu'il est d'accord. Mais fuck! Bah, puisque ça, je te prendrai pas, non, ça prendra. Des Tentacool. Je rêve ou c'est un hypocéan, ça? Oh oui, mais j'aimerais bien avoir un Hippotrank, moi, dans ma team. Mais non, trop galère à choper. Attendez, j'ai pas envie de faire un combat sous-marin, les amis. Hein. Un Magikarp. Ça, il paraît qu'on peut trouver des Léviators sauvages. Vous imaginez le bordel? Non, parce que dans l'histoire de Pokémon, un petit peu que je vous replace, les Léviators sont connus pour causer de très légères catastrophes. Hein? Parce qu'ils sont pas cool, hein, ils aiment pas les humains, ils aiment pas les Pokémon, ils aiment que foutre le bordel. Et bah en fait, ça voudrait dire que dans Minecraft, chaque fois que tu vois un Léviator, bah il vient pour péter des blocs, etc. Bah logiquement, ça c'est ce que voudrait la logique. Après, voilà. Les amis, d'ailleurs, j'ai une question. Il y a des CT avec ce mode. Le truc, c'est qu'on ne peut pas encore les obtenir en legit. Donc, alors, je vais me les give. Sauf que me les give pour me les give, ça va être trop simple. Là, par contre, on est tous d'accord. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est vous me proposez un challenge. Et à chaque fois que je réussis un challenge, j'ai le droit de récupérer une CT. Que je me giverai en votre présence, évidemment. Voilà. Donc, voilà. Donc, dites-moi quel challenge vous voulez que j'exécute. Et si j'ai pas de proposition de challenge, et bien écoutez, à partir du prochain épisode, je commence déjà à me give des CT. Parce que je vais en avoir vraiment besoin. Alors, je vous dis pas lesquels, tout simplement parce que, bah... Quelle que soit la CT, ça mérite quand même le. Enfin, que ce soit pour l'attaque reflet par exemple, ou pour l'attaque, je sais pas, one shot de la mort qui tue. Bonjour Mitchell. Dans tous les cas, ça mérite un challenge corsé, les amis, hein, parce que ça reste quand même du give, mais bon, un give quand même forcé, il faut le reconnaître. Donc proposez des challenges, tout simplement. Voilà, et puis
En fait, bah, pour la première CT que je me prendrais, que je voudrais, bah, je prendrais le Pre-Challenge. Une deuxième CT. Qu'est-ce que c'est, une Pokéball? Ah non, c'est des Magikarp. Putain, mais l'invasion des Magikarp, quoi. Alors là, en fait, peut-être que ça se voit pas, mais je cherche un Pokémon bien particulier. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de lock là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Kabuto. Genre, il y a des Kabuto sous la flotte. Normal. Par contre, j'espère que je vais pas me faire agresser par un Pokémon parce que j'ai pas envie de couler. Non, j'aurais juste l'air con. Oui, ça c'était le cri d'un dresseur qui combat sous l'eau. Alors, encore un Magikarp, level 13. Putain, mais y aura pas. Mais je suis bien dans un biome océan. Hop, alors là c'est le bordel à l'écran. Ouais, c'est bien un biome océan. Bon, en même temps, y a... Dracolosse, donc forcément c'est que c'est un biome océan, puisque je sais que Dracolosse ne spawn que dans les biomes océans. Bon, je vous le dis, le Pokémon que je cherche, j'en ai parlé dans le précédent épisode, c'est Loclass. Voilà, tout simplement. Mais je ne le trouve pas. Alors, ok, il a une faible chance de spawn, mais bon, puisqu'il y avait un Dracolosse, je sais pas, je me suis dit, il y a peut-être une chance qu'il soit dans le coin en fait, hein. D'ailleurs, hop, il y a combien d'entités? Entity, j'oublie tout le temps où est-ce que c'est le bouton Entity. Entity. Ah, c'est là-haut. 82 seulement, putain. Et comment il les charge les Pokémon ce jeu? Bon, de manière complètement random. Merci, ça j'avais compris, les amis. Putain, il y a deux fois Zach, quoi. Zach, tu t'es dédoublé. Toi, t'appelles comment? Un monsieur est pas à peine de me fuir avec ta petite boîte de pêche, Mitchell. Ok, ben putain, mais il y a des Mitchell, des Zach partout. Et par contre, je vois aucun Loclass. Qu'est-ce que ça? Ah, c'est un Hippotramp. Il est trop choupinou. Alors. Oh là, il y a des Pokémon là-bas. Attendez, mais. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un Carabaf. C'est soit ça, soit un Flagados. Auquel cas, désolé, Carabaf. Ça, je crois que c'est un cocon fort. Non. Ah, c'est Staï. Ouais, Starry à la limite. Non, il est moche. Quoique Saros doit être super beau, hein. En plus, il est joli avec une pierre haut. Et vu la facilité qu'on a à récupérer des pierres de haut, à méditer. Donc, désolé, Carabaf, c'était bien Flagados. Oh, Flagados. Snabarou. Excusez-moi. Bon, on continue à chercher. Vous faites chier, mais moi je le veux mon Loclass. Ou à la limite un mini Draco, ou je sais pas, un des deux. Je suis pas compliqué. Soit mini Draco, soit Loclass. Ok, c'est Pokémon relativement rare, mais quand même, là faut pas abuser. Normalement, je pensais déjà d'avoir. Enfin, normalement, si le jeu avait été sympa, je serais censé en avoir croisé plein. Bah, même ce que je vous propose, les amis, c'est une ellipse, parce que sinon on va passer un épisode entier à chercher un putain de Loclass mini Draco. Donc, bah, à de suite, et si je trouve pas, bah voilà. Allez, à tout à l'heure. J'ai trouvé mon Carabaf. Ouais, sauf que juste avant, je me suis fait agresser par un connard de Krabos. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Run. Oh, guillotine, normal. Non, on peut pas fuir. On peut pas fuir, ok. Donc on va envoyer toi. Je vais me faire décimer toute la team, les amis. C'est pas grave, on va finir par fuir, hein. Enfin, je sais pas comment il calcule l'esquive si on peut. Putain, guillotine, ok. Bah, elle est juste pour l'avoir tenté, hein. On pourra pas dire que je tente pas des trucs de fifou. Oui, une Pokéball sur un Krabos level 41, hein. Je suis optimiste, au moins, moi, hein, voilà. Ça lui apprendra à m'agresser.
Je crois que j'ai encore fait bugger le jeu. Allô? 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 J'ai tué le jeu, ça y est. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, les amis, on va faire une ellipse, le temps qui se décoince, je présume. Ah, mais regardez, il se fout de ma gueule, lui, maintenant! Mais casse-toi! Bon, à de suite, les amis. Bon, on se retrouve donc après une déco-reco, qui a fait des pop le Pokémon, ok. Il y a un truc qui se prend de dégâts là, mais. Oh! Non, il est là. Il est quel level? T'es mignon. À moi. Elle est où la balle? Ah, non, il veut pas. T'es mignon. Je te veux. Oh, regardez la boule qui. Mais tu te vas te foirer, va! Bon, ben voilà. Donc, les amis, petite ellipse, le temps de retourner à la maison et revenir ici. Bon, chose qu'il faut savoir, je me suis dit, je vais faire le test. Les Pokémon feu sont insensibles à la lave. Voilà. Donc, sur ce, je vais tout de suite aller retourner à la maison. À de suite. J'ai eu le temps de faire 10 mètres. Bon, alors, fight. Amber, on va le cramer. Putain de d'écrémeux quoi. Mais je veux t'abattre à la masse, espèce de sac à merde! Non, tu restes là! Ah bah ça y est, j'ai tué. De la viande. Voilà, donc à de suite les amis. Et re tout le monde. Alors, j'ai dit qu'on se retrouverait là-bas. Cela étant, je me suis rendu compte que l'épisode faisait déjà pas loin de 30 minutes. Donc, ce qu'on va faire les amis, on va s'arrêter là. Et pour le prochain épisode, j'entraînerai un petit peu la team. Je vais crafter un maximum de balls, hein, de différentes sortes. Bah, là, comme vous pouvez voir, déjà, je commence à préparer des super, des pokés. Et petite surprise pour le prochain épisode, en plus. Et donc les amis, ça veut dire qu'on va se laisser. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je suis bien éclaté. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde! Ah, accessoirement, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Je suis en train de passer les meilleurs moments de ma vie là.